Bonjour. Oui, c'est moi. On va parler de lui. Voilà, lui qui est toujours là, hein, mais qui marche plus trop. Et donc on va s'attarder sur le pourquoi. Donc aujourd'hui, on remplit pas l'attestation, on sort pas et on va pas aller voir ce qu'il y a dehors. On reste ici. C'est parti. Non! Ne réinitialisez jamais votre PC. Il parle pendant des heures. Donc, eh bien, on va parler de comment est-ce que je me suis fait ça. Voilà. Bon, là, ça fait un peu plus d'une semaine, donc il marche un peu mieux. Mais bon, voilà. Donc, en fait, je préparais ma vidéo sur les araignées qui est sortie la semaine dernière. Et vers les trois quarts du tournage, il y a un endroit que je connaissais pas, que je voulais aller visiter. Et puis je me suis dit ce serait bien de finir sur une jolie photo d'araignée. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un endroit dans la forêt qui était ombragé, où il y avait sans doute plein de toiles d'araignées, je sais pas, j'y suis pas allé. Et il y avait un mur qui faisait à peu près 1,50 m, donc qui m'arrivait à peu près par là. Et en fait, donc j'étais avec le chien en promenade. Et ce mur, je me suis dit, tiens, je vais essayer de monter. Je vais faire un test pour monter. Donc je vais mettre le pied dessus, comme ça. Et puis on va voir si ça passe ou pas. Le souci, c'est que dès que je suis monté sur le mur, j'ai fait un test pour voir pour voir combien de force j'allais devoir mettre dans mes deux jambes pour pouvoir monter sur le mur. Ben, quand j'ai atterri, il y avait mon chien qui était en train de sauter avec moi, qui était sous mon pied. Et du coup, ben, j'ai pas voulu écraser le chien. Du coup, je suis tombé. Voilà. Et alors, du coup, je me suis retrouvé. Je vais arrêter de dire du coup, peut-être. Hein. Bon, du coup. Ben, je me suis éclaté par terre. Ouais, trop bien. Ce qui fait que bah du coup j'en ai marre de dire du coup. J'ai ma hanche gauche qui a écrasé mon poignet gauche. Voilà. Et bah, du coup j'avais le trépied d'un sac dans le dos. Voilà, donc j'avais l'appareil photo dans la main droite, comme ça. J'avais mon bras gauche pour attraper une branche ou un truc au cas où. J'arriverai à monter la première fois, ce qui n'était pas du tout prévu. Enfin bon. Donc je m'élance, je mets le pied sur mon mur, et ben patatras, en fait, en poussant pour revenir sur la route qui était en fait du béton, et ben je me suis laissé tomber, c'est tout. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Du coup, je suis tombé sur le côté. C'était comment? C'était comme ça, de ce côté-là, avec mon poignet qui est passé sous les fesses, le bras droit qui tient l'appareil photo, et je suis tombé sur le trépied. Eh! Ouh, ça se sent d'ailleurs. Ah, oh, j'ai mal! Ça y est, il est devenu vieux. Non, du coup, sans vouloir rigoler, je pense pas refaire des vidéos avant à peu près, je pense, une semaine. Sachant que je pense avoir une attelle vers la fin de semaine là. Et fin de semaine, début. Ouais, non, début de semaine, je pense milieu de semaine. Et sûrement quand cette vidéo sortira, j'aurai plus Thierry le plâtre. Et puis on pourra commencer à essayer de ressortir pour trouver des choses à photographier et à vous expliquer. Même si j'ai quelques idées avec l'été qui arrive, eh ben, ça nous fera quand même pas de mal de sortir. En plus, le confinement va se terminer en une semaine. J'ai une petite annonce à faire aussi concernant la qualité vidéo.
Depuis la dernière vidéo sur les araignées, je prenais un profil vidéo qui était correctement saturé et puis il y avait les bonnes couleurs, tout était fait automatiquement. Là, je suis en train d'essayer de passer sur un format de Panasonic qui s'appelle le Ciné Lite D et qui désature, décontraste, délumineuse, enfin bon bref, qui capte un maximum d'informations et qui me permet ensuite, moi sur PC, de pouvoir un petit peu tout recorriger, refaire la colorimétrie, tout ça, tout ça. Donc ça risque de pas être terrible au début, les premières prises vont peut-être être assez pas top, mais à l'avenir ce sera peut-être mieux. Voilà. Je risque de faire un partenariat avec deux personnes. L'une avec qui sera avec moi en vidéo. La deuxième qui sera peut-être avec moi en vidéo, mais peut-être pas. Je vous en dis pas plus. On verra ça quand on sera déconfiné, quand on aura le droit de sortir. Donc ce que j'aime faire en plus de ça, c'est les vidéos au ralenti. J'adore les vidéos au ralenti, je trouve ça sublime. Le seul truc qu'il faut, c'est trouver des sujets, trouver des endroits et puis arriver à capturer ce qu'il faut. Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo ralentie de mon chien qui attrape un jouet. C'est très beau, on voit tous les muscles qui bougent, c'est assez marrant. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait les rivières aussi, j'avais fait le vol stationnaire chez les insectes. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on pourrait aborder. Dites-le moi en commentaire juste en dessous. N'oubliez pas d'ailleurs d'activer la cloche, de vous abonner, de partager mes vidéos. Bon, sauf celle-là, parce que du coup, c'est une vidéo information. Et à part ça, je suis coincé là-dedans et je peux pas en sortir. Donc, pour travailler, c'est la galère. Pour monter, c'est la galère. Pour enregistrer dehors, sachant que je peux plus rien tenir avec mon bras, c'est la galère. Donc, vivre avec ça, c'est la galère. Ok, donc il y a une légère latence dans mon casque, ce qui va perturber ma voix, mais vous n'êtes pas là pour ça. J'ai fait cette vidéo pour vous dire que j'étais un petit peu coincé dans mon plâtre et que le rythme des vidéos va ralentir un petit peu durant les semaines qui arrivent. De plus, j'aimerais dire que je vais avoir quelques soucis d'internet dans les semaines qui viennent et la création du contenu nature va en prendre un coup. Mais je vais tout de même essayer de produire mes vidéos dans un rayon de une vidéo par semaine. Alors c'est pas très français, mais vous avez compris. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce en l'air sur toutes les autres vidéos, mais pas sur celle-là, parce que je m'en fous un peu. Et à partager, vous abonner, à tralali tralala, activer les notifications pour quand je sortirai ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis, allez voir mon Instagram, je serai beaucoup plus actif que sur ma chaîne YouTube. À plus tard. Et de toute façon, là, tout le monde est déjà parti. Si tu n'es pas parti parce que la vidéo n'est pas finie, eh bien, je t'invite à mettre en commentaire le mot suivant. Madrid.